Buzz, clash, actualité, musique et divers, bienvenue dans SLM Info sur SLM Pro TV. Donc, bonjour, moi je m'appelle Saber. Rebeu pas comme les autres, rebeu distingué. J'ai arrêté le fight, maintenant je fais du paddle, tu vois. J'ai un CDI, je touche 2500 euros par mois. Du coup, on commence à faire du paddle, tu vois, on essaie de se démarquer, mon ref. You. Bonjour, moi je m'appelle Saber. Rebeu pas comme les autres, rebeu distingué. J'ai arrêté le fight, maintenant je fais du paddle, tu vois. Bonjour, moi je m'appelle Saber. Rebeu pas comme les autres, rebeu distingué. J'ai arrêté le fight, maintenant je fais du paddle, tu vois. Bonjour, moi je suis Saber. Rebeu pas comme les autres, rebeu distingué. Je vous jure, je me sens trop concernée. Je suis trop une rebeu distinguée. Genre, je suis vraiment pas du tout le genre de meuf qui mange lettuce ou loubia. Je peux pas en fait. À force de manger, je sais pas, je peux pas. Quand je prépare à manger, je prépare pas des plats du type couscous. Déjà, j'aime pas le couscous, déjà de 1. Mais quand je fais à manger, genre vraiment, j'aime trop les trucs simples. Du genre salade, pâtes, et légumes, comme des champignons, des carottes, des petits pois. C'est mon kiff ça, j'aime trop. Et vraiment, quand je fais à manger, je fais des toutes petites portions. Genre, ma famille, ils se foutent de ma gueule. Ils me disent, wesh, c'est quoi cette portion de pichon? Et ils me disent. Parce que c'est tellement petit. Genre, moi, j'ai un petit ventre, en fait. Je suis calée, mais eux, ils se foutent de ma gueule. Enfin. Je suis genre de rebeu qui tient à sa forme physique. Genre, j'aime bien me tenir en forme. Et c'est pour ça, du coup, que je fais très attention à ce que je mange aussi. Toute mon enfance... Toute mon adolescence, je traînais que avec des whiteos. Toute ma vie. Regardez mes cheveux. La plupart des rebeux, elles ont des cheveux lisses. Regardez moi, s'il vous plaît. C'est hors de question pour moi être femme au foyer. Vous allez peut-être m'allumer dans les commentaires, mais vraiment, j'ai connu un taquet de rebeux. Je parle de les gens que j'ai connus, pas de tout le monde. Je suis féministe. Je suis féministe. Non, après, bon, je suis pas du genre à crier dans les rues « Vive les droits des femmes », non. Mais quand même. J'aime trop faire du ski et manger la raclette. Bon, après ça, il y en a beaucoup qui mangent ça aussi, en vrai. Il y a beaucoup de rebeux qui mangent ça. Donc, en vrai, ça compte pas énormément. Et voilà. J'ai d'autres trucs, hein, de caractéristiques de rebeux distingués, mais je sais pas, ça vient pas en tête. Mais dites-moi si vous êtes comme moi ou pas. Bonjour, moi je m'appelle Saber. Rebeu pas comme les autres, rebeu distingué. J'ai arrêté le fight, maintenant je fais du paddle, tu vois. Je vous jure, moi j'ai jamais été un rebeu comme les autres. J'ai jamais été un rebeu traditionnel carré. Je suis jamais rentré dans les clous. Déjà, le premier truc, à chaque fois que je dis, ça fait câbler les humains. J'aime pas, j'aime pas le thé. Le thé marocain et tout, j'aime pas. Je bois pas ça. Je vous jure, j'aime pas. J'ai jamais eu de TN de ma vie. Je mets très rarement des jogging à part soit quand j'ai la flemme. Soit quand je vais au sport après, mais genre sortir et tout, jamais. Jamais, tu me verras jamais en survêtement. J'aime pas trop manger avec la main. Genre en mode, quand je mange avec la main, t'as vu, c'est quand il y a tout le monde et tout, j'ai pas envie de m'afficher. J'ai pas envie de m'afficher à sortir des couverts. Mais si je peux éviter de manger avec la main, je mange pas avec la main. J'aime pas. J'aime pas le poisson. Genre tous les Arabes, en général, ils aiment trop le poisson, tu sais. Genre en mode, les poissons farcis et tout, au barbecue. J'aime pas le poisson, n'importe quel poisson. J'aime pas. J'aime pas. J'aime que les crustacés. Que les crustacés. Le homard, etc. Le poisson, non, non. Je ne mange que de la baguette. C'est-à-dire qu'en fait, à part la baguette, les pains, genre les pains arabes, tu sais, les khobz dial-dar et tout, les pains qui font les darons et tout, j'aime pas. J'aime pas. J'ai que de la baguette. Même au Maroc, je ne mange qu'avec de la baguette. Je ne mange rien d'autre. Vous voyez le marqa, genre le plat marocain, genre tagine, etc. Là. Je mange très rarement. C'est-à-dire que vraiment très rarement. Ça me monte très vite à la tête. J'ai mangé ça une fois. Là, je pourrais remanger ça dans 2-3 semaines. Vas-y, Bélec. Mais je peux pas, sinon ça me fait mal au crâne. J'aime pas. Et je vous dis, je suis pas un rebeu normal. Je suis pas un rebeu normal. Vraiment pas. Je sais pas ce qui s'est passé à ma naissance. J'ai été percé trop près du mur. Mais je sais pas, j'aime pas. La traîne de rebeu distingué, elle n'est absolument pas rabaissante. Et en tant que maghrébine, je vais dire pourquoi je ne la trouve absolument pas offensante, discriminatoire, etc. ou même raciste. Et qu'au contraire, je trouve qu'elle dénonce pas mal de clichés. Déjà, on commence avec l'odieux. Voilà, Saber, rebeu distingué, rebeu pas comme les autres, etc. Déjà, juste dans le ton de la voix, on sent que c'est du full second degré. La personne n'est absolument pas sérieuse dans ce qu'elle raconte. Je pense que ça a dû être un délire, la personne faisait du paddle et que
Elle disait, bon, en général, les rebeux, on fait pas du paddle, on fait plus, voilà, du foot, par exemple. Donc, on part sur une base d'un son qui est second degré. Et ensuite, utiliser des clichés. Voilà, comme par exemple, je l'ai fait. Clairement, la traîne, je l'ai fait. Utiliser des clichés, tels que dire que les maghrébines font des full face, qu'elles s'habillent en Zara, qu'elles écoutent un certain type de musique, comme du Neige, enfin, tu sais, du R&B, c'est bien les 2000, etc. Donc, clairement, le cliché de la maghrébine qu'on a eu pendant des années, pour ne pas dire le mot « beuh », voilà. On a aussi eu des humoristes qui se sont foutus de la gueule de nos parents pour faire rire les Blancs. Et je trouve que récemment, durant ces 3-4 dernières années, je trouve que les Marocains et les Maghrébins en général commencent à beaucoup plus se sentir en colère par rapport aux propos qu'on donne à notre communauté. Donc je vais prendre l'exemple que j'ai déjà répété dans la vidéo avec Balti et Adé Laurent, le concert de Booba qui a été boycott au Maroc parce qu'il rabaisse les femmes maghrébines. Qui a été pour moi une très très grosse avancée. Je pense que vous vous rendez pas compte que boycott un artiste aussi gros que Booba, enfin influent, je veux dire, pour moi c'était un très très fort message. Et donc, venir faire du second degré sur des clichés que des gens nous ont apportés, donc quand je dis les gens, autres que les maghrébins, donc les rappeurs, les politiciens, les Blancs, clairement aussi, je trouve que c'est extrêmement fort et absolument pas rabaissant. Parce que voir des milliers, voire des millions de maghrébins ou de jeunes maghrébins dire que « Ok, ben moi je suis une maghrébine et j'adore aller au musée, j'adore aller à la bibliothèque, je suis pas la maghrébine que vous pensez. » Excusez-moi, il y a rien de rabaissant. Au contraire, je trouve ça extrêmement puissant. Parce qu'en fait, j'en ai marre que, genre là j'ai 23 ans, j'en ai marre qu'on m'associe à toujours un certain type de personne. Alors, est-ce que ce certain type de personne, il faut les rabaisser? Absolument pas, bien évidemment. Les petits malins qui sont venus me dire « Ouais, t'es une pygmée, etc. » Fallait juste lire la description pour voir que je rabaisse absolument pas les personnes qui écoutent du Neige, qui portent du Huda Beauty ou qui vont chez Zara. Mais pour une fois qu'on utilisait l'humour, voilà, l'humour clairement, pour dénoncer quelque chose au lieu d'utiliser la violence des mots, donc récemment avec Balti et Adé Laurent, voilà, bon, c'est pas le meilleur exemple, mais c'est ce que j'ai pour l'instant, c'est pas le moment de se tailler entre nous et dire « Ouais, t'es une pygmy, t'es pas la rebeu différente que tu penses, etc. » On est en train de dénoncer quelque chose, en fait, les gars. Enfin, voilà, du coup, ce sont mes arguments. Maintenant, si vous êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez le faire, voilà, dans la paix, la bonne humeur, voilà, par respect. Si vous êtes pas d'accord, commentez. Et évidemment, chaque vulgarité sera bloquée et supprimée. Hein, voilà, on n'est pas aux os ici. Bonjour, moi je m'appelle Saber. Rebeu pas comme les autres, rebeu distingué. J'ai arrêté le fight, maintenant je fais du paddle, tu vois. J'ai un CDI, je touche 2 500 € par mois. Du coup, on commence à faire du paddle, tu vois, on essaie de se démarquer, mon ref. You. Moi je m'appelle Saber. Rebeu pas comme les autres, rebeu distingué. J'ai arrêté le fight, maintenant je fais du paddle, tu vois. J'ai un CDI, je touche 2 500 € par mois. Moi je m'appelle Saber. Rebeu pas comme les autres, rebeu distingué. J'ai arrêté le fight, maintenant je fais du paddle, tu vois. J'ai un CDI, je touche 2 500 € par mois. Quand ton camarade garçon fait vidéo, tu vois, tu dépasses sans liker. Mais quand femme poste vidéo, tu vois ses seins fesses, tu commences à liker. Tu vois ta vie, non? Et puis tu vas à l'église chaque dimanche. Tu vois comment tu es. Et puis tu es que Dieu te bénisse, champion. Arrête ça, arrête-moi cette sale.